prince Harry et Meghan Markle ont invité 600 personnes pour célébrer leur mariage qui aura lieu le 19 mai à Londres. Les invitations pour la grandiose cérémonie ont été envoyées. C'est l'un des événements les plus attendus de l'année. À peine annoncé, le mariage entre le prince Harry et Meghan Markle n'a cessé d'agiter la sphère médiatique, prouvant que l'attrait pour la famille royale britannique est intact. Un communiqué officiel du palais de Kensington a annoncé ce jeudi que le couple avait fait envoyer les 600 cartons d'invitation nécessaires à la bonne tenue de la cérémonie. Le 19 mai prochain, 600 personnes sont attendues à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, à l'ouest de Londres. Les invitations au mariage du prince Harry et de Ms Meghan Markle ont été lancées au nom de Son Altesse Royale le prince de Galles, a indiqué le palais. Et même le dress code y est notifié, les invités sont donc priés de venir en uniforme, en redingote, en costume de ville ou en robe avec port de chapeau obligatoire. Les 600 invités auront l'honneur d'être conviés à un déjeuner de réception donné par la reine Elisabeth II au château de Windsor. Les invitations postées cette semaine ont été imprimées à l'atelier Barnard & Westwood, situé dans la capitale anglaise. Texte noir sur fond blanc, le précieux sésame est surmonté du blason doré du prince de Galles, une couronne et trois plumes d'autruche. Et il ne laisse rien au hasard. Le soir même, le prince Charles accueillera 2640 personnes, dont 1200 membres du public, au parc du château de Windsor pour l'arrivée du prince Harry, de Meghan Markle et de leurs invités. Le jour de leurs noces, les tourtereaux parcourront Windsor en calèche avant de se retrouver à la cérémonie officielle. Crédit photo, agence, BESTIMAG.